Vous arriviez donc au bord de la route, cette clairière, ce campement, des rires d'hommes. Voilà. Il y en a même un qui semble chanter une chanson. Et vous avancez donc dans leur direction. Il y en a l'un d'eux s'avance. Vous voyant arriver, l'un d'eux se lève et s'avance dans votre direction. C'est un homme, ce qui semble être un homme d'armes. Il a une épée sur le côté et porte une brigandine. Vous un peu. Et vous apercevez maintenant que vous êtes un peu plus proche du campement. Effectivement, quelques hallebardes, des lances installées. Il vous lève la main. Oh là! Les docteurs! Comment allez-vous? Très bien. Pas très bien. Ça va? Si. Ah, vous avez. Il penche la tête vers votre patiente. Ah, et puis, vous avez une compagne aussi? Une patiente. Ah, une Blessée. patiente. Elle est pas infectée. Non. Rassurez-moi. Non, non. Voilà. J'ai eu peur. Voilà. L'espace d'un instant. Mais. Joignez-vous à nous. Ah ben, vous êtes bien aimable. Ça fait plaisir dans cette région. C'est la moindre des choses. Il y a tellement de choses dans cette région est certes aux proies au chaos, mais elle est pleine d'opportunités. Eh bien, d'accord. Il attend même pas finalement que vous descendiez de cheval et lui-même se dirige vers le groupe de personnes autour du feu de camp, riant. Ah! Nous avons d'autres convives. Vous voyez. Ils arrivent. Attachez vos chevaux. Venez. Voyez, docteur Whittaker, ils ont l'air d'être aimables, ces gens-là. C'est peut-être ça le plus effrayant. Vous voyez le mal Non, partout. enfin, gardez bien vos sacoches à l'abri, hein. Je vous imaginais pas comme ça. Je sais pas, je me méfie. Bizarrement, je me méfie. Vous attachez vos chevaux et Je... vous rejoignez le feu de camp, c'est bien ça? Tout à Oui, fait. c'est ça. J'aide notre patiente à descendre. Vous arrivez près du feu de camp, vous voyez les choses un peu plus clairement à la lumière de ce feu, alors que le soleil lui disparaît à l'horizon, que la nuit commence. Vous voyez effectivement un beau. Ça semble être un cochon qui est en train de cuire. Certains morceaux ont déjà été coupés. Vous voyez en tout, il y a 8 hommes d'armes. En les voyant, la chambre semble évidente. Des combattants sans blason. Vous êtes face à un groupe de mercenaires qui somme toute quelque chose d'assez courant à votre époque où les armées sont quelque chose un peu, disons, pas vraiment quelque chose de stable. Et donc, nombreux seigneurs font appel à des mercenaires en temps de conflit. Et apparemment, ceux-ci semblent avoir établi un campement ici. Il y a, vous apercevez, 5 femmes aussi.
Il y en a trois d'entre elles, en tout cas, qui semblent être en train de servir du vin et des victuailles. Et l'homme qui vous accueille, il dit « Ah, je me présente quand même, Grégory. Mais installez-vous, il vous monte un tronc d'arbre. Installez-vous, prenez vos aises. Et puis c'est là, forcément, que le moment le plus dérangeant se passe, puisqu'il se retourne vers l'une des femmes et lui met un coup de poing d'une violence tonitruante en lui hurlant « Ah, qu'est-ce que t'attends? Serre nos invités !» Et là, vous constatez en regardant qu'effectivement, les femmes sont beaucoup moins souriants que les hommes dans ce campement et ne semblent pas être présentes de gaieté de cœur. Remarquez des vivres. De quoi vous substanter, du vin, de la bonne chair, qui semble, sur le moment où, en tout cas, à cet instant où vous proposez de partager avec vous. Mais il est clair que aucun de ces hommes n'est ni éleveur, ni agriculteur, et encore moins vigneron, il va de soi. Que faites-vous? J'ai un peu envie de faire l'imbécile de « Oh là, monsieur, enfin, pourquoi ne viendrait-elle pas s'amuser un peu avec nous ?»« Ah, vous voulez en profiter? Bah, prenez une tente, n'hésitez pas !» Il la prend et la jette à tes pieds. Mais oui. vous serez pas la première personne du campement. À lui passer dessus? C'est ça que vous cherchez? En gros, il faut profiter. Je vous ai dit, ce territoire est plein d'opportunités. Allez, installez-vous. Je vous sers un peu de vin. Et puis il prend, il semble être un pichet, et se saisit de coupes en argent, sans doute d'une valeur bien trop grande pour ce genre de personnes ne les possède. Il serait dommage de les mettre sur le dos. Docteur Toc, je suis intéressé de... Que faites-vous alors que vous avez cette femme en partie sanglotante à vos pieds? Du moins tremblante. Je l'aide à se relever et puis j'examine un peu là où il a tapé le mec. Ah, où il a tapé, tu fais sans doute... Elle a certes une marque, et là tu constates que ce ne sont pas les seuls. J'essaie de lui faire un signe élégant pour l'inviter à, je sais pas, soit partir, soit profiter de l'instant, mais sans la violenter, quoi. Elle hésite, elle regarde autour d'elle et se contente de s'écarter de toi, en fait. Moi, je la laisse faire et puis je l'ignore. Hein. Et puis elle va, semble-t-il, s'occuper à faire ce qu'il a demandé au premier abord, c'est-à-dire vous servir. On vous sert à manger, on vous sert une part de cochon, quelques légumes. Carottes qui accompagnent ce cochon. Non, il n'y aura pas de pommes de terre. À l'époque, la pomme de terre n'était pas arrivée. Et du navet, puisque le navet est un produit indémodable. C'est fort généreux de votre part de nous offrir autant. Nous avons un rien pour vous dédommager en échange. Comme je vous ai dit, la vie est faite d'opportunités. Ce territoire, dirons-nous, nous en donne avec allégresse. Et ils rigolent tous. Ah, ah oui, un autre qui répond. Ah oui, c'est vrai que
si c'était pas cette maladie qui rôdait. Mais... ça nous fait dire qu'il va pas falloir peut-être trop traîner dans la région. Mais vous allez où comme ça? Nous ne savons pas trop. Nous enquêtons dans la région, justement, par rapport à cette maladie. Vous avez affronté ceux qui sont touchés par celle-ci. Bon, on les évite. Hein. On a entendu des bruits, des rumeurs. Rien d'important. Quel genre de rumeurs avez-vous entendu? Cela nous intéresse. Des démons, des bêtes innommables qui traîneraient dans la région. Cela ne vous effraie pas? On est armé. On sait se défendre. Et puis, contrairement à vous, disons que ce ne sont pas nos cibles. Nous ne sommes pas ici pour ce genre de choses. Et pour quel seigneur travaillez-vous? Eh ben, nous n'avons pas de contrat, figurez-vous, en ce moment. C'est pour ça que nous pouvons profiter des... Mais le chaos, profite. D'ailleurs, Dr. Whittaker et Dr. Tok, alors que Dr. Jagger parle avec allégresse, vous-même, que faites-vous? En fait, je dirais même, Dr. Whittaker, comment réagissez-vous au moment où l'un d'eux prend sa coupe de vin et... Allez, trinquons! Alors, Dr. Whittaker, est-ce que, en tant que chimiste, il serait capable de fabriquer du poison avec ce qu'il a dans sa besace de médecine? Pour éliminer l'intégralité de cette troupe. Exact. Ah, déjà vous allez lancer un D6. Et vous me direz si celui-ci est inférieur à votre esprit. Non. Le résultat est supérieur à votre esprit, mon cher médecin. Oui, oui. Parce que... Eh bien, les choses vont être compliquées, puisque tu pensais avoir préparé quelques potions à jeter et lancer. Mais... là, pour le coup, tu te rends compte que, finalement, étourderie, en tout cas, tu n'en as pas sous la main. Oui, c'est pour ça que je me demandais si j'avais moyen d'en fabriquer avec ce que... Fabriquer, une quantité, il te faudra une quantité assez... un peu trop importante, tu supposes. Peut-être aller chercher, aux alentours, des plantes, mais de nuit, les choses restent d'être complexes. Espérer trouver, que sais-je, leur préparer un poulet aux herbes. Et ben dans ce cas-là, je vais tenter par tous les moyens de les faire boire, mais jusqu'à ce qu'ils s'écroulent tous. En tentant de moi rester lucide, bien sûr. Eh bien la soirée commence bon train. Vous voyez que Dr. Whittaker apparemment profite grandement de la soirée, cher Dr. Tok, Dr. Jagger, que faites-vous? Je ne vais pas jusqu'à... Je ne suis pas du tout le Dr. Whittaker dans son addiction visiblement flagrante. Je resterai maître de mes moyens durant cette soirée. Je profiterai bien évidemment de la nourriture présente sur les lieux. Après tout, nous avons tous faim. Effectivement. Et si vous avez perdu des points de corps, vous pouvez récupérer un point de corps. Ce repas est fortifiant. Docteur Tok. J'avoue que j'hésite un petit peu. En tout cas, pendant que vous hésitez et vous regardez ce qui se passe autour de vous, eh bien, Docteur Whittaker, vous allez me faire un petit test d'esprit.
Alors, vous commencez à essayer de manipuler. Ils sont un grand nombre. Eh bien, au moins en ce début de soirée, tu sembles arriver à tes fins, du moins, à commencer à les faire boire et profiter de la soirée. Les choses... Et... prend une bonne tournure. Du moins, dans l'idée de l'ivresse. Il va sans dire que... dans l'ivresse, il y a aussi dérapage. D'autres situations diverses et variées qui peuvent être... peut-être, semble-t-il, un point dérangeant pour vous qui vous fait d'ailleurs commencer à manigancer ce genre de plan. Et alors vous commencez à boire et l'un des soldats prend l'une des femmes littéralement par les cheveux et la traîne vers une tente d'une manière manu militari. Ceci dit, il emporte avec lui un pichet de vin, ce qu'il peut espérer. Continue à boire, comme bon te semble. Docteur Toc, réfléchissez-vous toujours? Ouais. Mais c'est vrai que je peux pas essayer de mettre... Je peux pas moi aussi essayer de droguer, enfin au moins droguer les... Enfin... les pichets de vin ou je sais pas quoi. Êtes-vous chimiste? Non, mais je suis drogué. Vous... Encore vous... une coupe. Vous voudriez vous retirer l'objet de votre addiction? Non. Bon. Soyons clairs. Vous ne pouvez vous séparer d'une telle chose. Ce n'est pour vous psychologiquement impossible. Alors, est-ce que... Droguer est votre défaut. En soi, ce n'est pas une compétence permettant de vous aider. Mais je peux pas m'en servir pour m'aider à oublier ce que je suis en train de voir. Oh, libre à vous de vous droguer. Cela pourrait protéger votre esprit, effectivement. Ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, ça devient un peu dérangeant, cette situation. C'est pour ça que vous allez tous me faire un test d'esprit. Ça vous amènera peut-être à vous droguer d'ailleurs, de manière involontaire, Docteur Toc. Cas d'échec, vous me lancez un D6. Et vous me donnez le chiffre. 2. Non, c'est 4 moi, pardon. La situation, alors que tout le monde boit... profite de la soirée, et d'autant plus dérangeante que... Eh bien... peut-être le vécu de cette journée, de ces dernières journées, est peut-être un peu trop dur pour vous, Dr. Jagger et Dr. Whittaker. Puisque... vous succombez à vos... à vos vices et à vos... et à votre stress, surtout. Même moi ? Non. Que je sache, vous n'êtes pas Docteur Toc. Docteur... J'ai compris, Jagger. Excusez-moi, comtesse. Oui. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Sachez-le. Et donc, vous vouliez vous droguer, Docteur Toc. Cela tombe bien. Dites-moi, qu'est-ce que faites-vous? Que faites-vous pour un peu oublier cette situation dérangeante qui se passe autour de vous? Il est clair que... et ces femmes sont battues, violées. Donc... Oh. Bah, je consomme. Au début, j'essaie d'être discrète. Et puis, comme je vois que de toute façon, tout le monde est très très occupé, ben. À quoi bon se cacher? Il est vrai. À quoi bon? Peut-être que Dr. Whittaker, la situation si tendue de pas vouloir vous faire prendre, d'essayer de les faire boire, ces gens que vous devez trouver forcément malsains, vous dérange au plus haut point jusqu'à vous faire stresser. Oui, si, moi je me...
En fait, je commence à me gratter frénétiquement le cou. Mais tellement que si on regarde, en fait, apparemment, je fais ça souvent et mon cou n'est qu'une énorme plaie où je continue à creuser dedans. Vous perdez d'ailleurs un point de corps, si je ne m'abuse. Ouais. Ah non, exact. Droguer n'est pas votre stress. Bonsoir, docteur Toc. Désolé, c'est ma spécialisation. Quand je suis nerveuse, je tremble. Vous pourriez effectivement, grâce à vos connaissances des herbacées, trouver des plantes qui pourraient aider le docteur Whittaker dans son objectif. Non, et vous relancerez chacun de vos succès tant que vous n'aurez pas réussi à vous calmer. Que faites-vous, monsieur docteur? Moi, clairement, c'en est trop pour moi. Je me lève, je me dirige vers la tente du mec qui a pris la femme par les cheveux. Je profite, je pense qu'on fait pas particulièrement attention à moi. Faut l'espérer. En tout cas. Et voilà, à partir du moment où, si j'arrive à rentrer dans la tente, je l'empale par derrière avec mon épée. Quelle que soit la situation qui se passe là-dedans. C'est mon but. Après, comment ça va se passer ? Vous allez me faire un test d'esprit. Alors que vous vous levez et que vous vous dirigez vers cette tente, vous entendez la voix de l'un de ces mercenaires, un peu ivre. Ah, notre bon docteur va aller profiter également. Sans doute que Louis ne sera pas dérangé de faire un ménage à trois. Il rigole alors que tu rentres dans la tente. Et que... Eh bien, je te l'accorde, tu n'as aucune difficulté à mettre fin au jour de cet homme qui, effectivement, nous passerons les détails, était en plein acte. Vous êtes donc dans cette tente, accompagné d'un cadavre et d'une femme au regard effrayé. Je lui fais signe de se taire. Il faut tous nous tuer. Il faut nous massacrer. Mais pas si je les bute tous avant. Chut, restez là. Poussez quelques cris de temps en temps. Je viendrai vous rechercher quand ça sera fini. Docteur Toc et docteur Jagger, que faites-vous ces événements? Bah pour ma part, c'est une soirée fort agréable. Disons que par rapport aux dernières nuits que nous avons pu passer, dormir sous la pluie, des conditions plutôt médiocres, cela est quand même agréable de vivre ça. Donc, je discute avec ces chers messieurs qui nous ont laissé profiter de leur victoire. J'essaye d'en apprendre plus. Essayer d'obtenir des informations sur ce qu'ils savent de la région. S'ils ont des informations, par exemple, sur le village d'à côté, vers lequel nous nous dirigeons avant de faire halte ici. Oh non, on est arrivé il y a peu, on a juste profité d'une ou deux fermes abandonnées, et puis d'un village au sud. Non, on est là depuis trop peu de temps. Et puis on va pas. On n'est pas fou, vu ce qui se passe dans la région. Nous ne devrions pas nous attarder. Combien de temps comptez-vous rester encore? Nous allons prendre la route dès demain. Et vous n'avez pas peur de manquer de vivre avec tout ce que nous sommes en train d'engloutir? Voilà. Vous inquiétez pas, on a fait nos réserves. Docteur Toc. Est-ce que c'est possible que j'ai vu le docteur Whittaker
Tu l'as vu rentrer dans la tente, c'est certain. Et est-ce que je peux reprendre son objectif et essayer de foutre des trucs dans le vin? Que comptez-vous mettre dans le vin, cher? Mais je peux pas mettre des plantes ou des, je sais pas, des drogues ou des trucs? Tu as des plantes, cher. Tu as de la mandragore, matériel pour détoxion, et un peu quelques produits de pharmacie. Tu peux essayer d'en droguer quelques-uns, effectivement. Tu vas me faire test d'esprit. Tu as. Ouais, bien. Tu utilises du moins tes produits. Tu as une pharmacopée. Cela semble marcher, hein, certains semble avoir un effet plus important de leur boisson qui agit directement sur eux. Il y en a trois qui semblent s'assoupir. Docteur Jagger, vous profitez toujours de son bon moment. Ah bah toujours, je ne suis pas au fait de ce que font mes camarades. Étant entraîné avec les différents champs et la boisson. Docteur Whittaker, que faites-vous? Voulez-vous continuer à essayer de les faire boire et profiter de... jusqu'à... En tout cas, quand vous sortez de la tente, vous remarquez que certains se sont endormis. Le plan fait merveille. Là, je vais plutôt héler un des types qui n'est pas endormi. Je vais dire, venez voir. Il y a votre collègue là qui se sent pas bien. Très bien. Tu veux que celui-ci rentre dans la tente et tu veux... C'est ça. En fait, je veux que... Je veux attendre et à partir du moment où le mec il arrive, je rentre dans la tente et je... On va voir déjà si t'es assez persuasif pour celui-ci. Ouais. Et il faut que tu sois persuasif déjà. Et puis, il faudra passer à l'acte. Tu vas... me faire ton jet d'esprit. Tout le monde s'en tape. Non, bah non, ce serait trop facile. Je t'ai dit. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Le problème, c'est que. Pas que tout le monde s'en tape. C'est. Au contraire. Ça intéresse plusieurs personnes. Puisqu'il y en a. Qui se lève et qui se dirige vers la tente. Vous n'êtes pas resté bien longtemps. Et allez où cette catin? Allez, venez. Je rentre, vite fait, je dis à la femme, prenez son arme, il y en a deux qui arrivent. Et puis, je vais les attendre, hein. Mais tant pis, ils seront deux. Très bien. La tente s'ouvre devant deux hommes. Dès que ça bouge, je fonce. Hein. Je pique là où ça bouge. Hein. Je cherche pas à faire ça. Très bien. Vous allez me faire un test de... J'ai été trop clément d'ailleurs, j'y pense. tu vas me faire un test d'esprit. Non, sur un point... pas d'esprit, de... si, un test d'esprit. Esprit. Oui, c'est tout à l'heure. Très bien. Tu arrives et tu charges épée à la main et tu embroches l'un d'eux. C'est bien. Tout ton courage est là. Tu as sans doute bien plus de courage que la femme qui est à côté, qui est juste derrière toi. L'arme ballant et terrorisée. Vous-même, vous entendez un cri. Que faites-vous? Je parle aux autres médecins. J'essaye de savoir ce qui se passe.
c'est un cri différent de ceux qu'on a l'habitude d'entendre dans le camp, parce que je suppose qu'il y a eu d'autres cris au fur et à mesure que l'alcool... C'est un énorme cri de douleur que tu viens d'entendre, de la victime du docteur Whittaker. Et il y en a 4 endormis, 3 morts, il en reste qu'un. Il y en a qu'un qui est réveillé, non? Il y en a pas 4 endormis. Il y a 3 endormis et 2 morts. 3 endormis et 2 morts, ok. Je profite de... Enfin, je sais pas, je pense que ça a dû attirer l'attention ou quoi. Je profite de ce moment-là pour sortir la lame de saignée et trancher une gorge vite fait. Trancher une gorge. Tu vas faire un test d'esprit alors que t'essayes de... Tu blesses violemment ton voisin qui hurle de douleur. Là, docteur Whittaker, docteur Jagger, bon, je pense que vous vous rendez compte de la situation. Mais vous n'êtes pas le seul, puisque l'homme à côté de vous tire son arme. Ok, bah, je vais l'engager moi aussi de ma part. Très bien. Je vous invite à un test d'esprit. Donc vous commencez à croiser le fer. Aïe, aïe, aïe. L'homme semble être un professionnel. Et c'est à votre tour de sentir le froid de la lame. Vous donnez une violente coupure au niveau de l'épaule. Et alors qu'il vous repousse violemment avec son pied et vous tombez au sol, vous perdez donc un point de corps. Docteur Whittaker, l'homme, le second, ne compte pas en rester là, vous vous en doutez bien, et saute sur vous, semble-t-il, pour tenter de vous étrangler. Ok, bah je le reçois avec mon épée, bien sûr, à peine sorti du corps de l'autre. Vous faites un test. Et non. L'homme n'étant pas surpris, effectivement, les choses sont différentes. Ta lame passe à côté de lui alors qu'il te saisit. Tu tombes au sol. Et là, il commence à prendre ta tête et te frappe la tête contre le sol. Tu perds un point de corps. Ma chère docteur Toc, l'homme à côté de vous hurle et à son tour... sort une dague, semble pas apprécier votre lame de saignée qui lui transperce la cuisse. Si une fois ça a pas suffi, je recommence. Et est-ce que je peux, enfin, vous savez qu'il faudra réussir, comme je vous l'ai expliqué déjà, c'est que vous êtes dans une situation complexe. Il faudra réussir 3 fois. Je vais essayer. Vous pouvez réitérer. Vous voulez inviter quelqu'un? C'est un peu tard. Nous ne sommes plus au moment des invitations. L'appel à un ami n'est pas autorisé non plus. Et vos compagnons de route sont occupés. Votre patiente est terrorisée. Vous voulez persuader les femmes de vous aider? M'aider non, mais c'est des elles peut-être. Hein? Vous leur criez de s'enfuir. C'est bien ça? Ouais, ou de se battre pour leur liberté, selon comment. Allez-y, agissez. Lancez votre test d'esprit. Et n'hésitez pas à dire exactement ce que vous hurlez aux gens qui vous entourent. Est-ce fuyez pour votre vie? Ouais, battez-vous. Ou toute autre phrase qui vous vient à l'esprit. Ce sera... battez-vous pour votre liberté ou mourrez. La lutte est acharnée. Et alors que... Vous roulez... L'homme te saisit, vous roulez, mais t'arrives à... De nouveau à lui porter un violent coup... Également avec
ta lame de saignée. On n'est pas vraiment dans un combat, on est presque dans une bagarre. Et l'homme saigne violemment. Docteur Jagger. Ah, il est hors de question que je me laisse avoir par cet homme. Donc, pour l'instant, je suis au sol, c'est bien ce que j'ai compris. Oui. Bah, je vais essayer de lui porter un coup depuis ma position. Qui permettrait potentiellement de m'en relever. Comment vous vous y prenez? J'essaye de lui viser les jambes. Très bien. Vas-y. Petit test d'esprit. Vous le faites chuter, effectivement. Il frappe le sol. Cela vous permet de passer maintenant, d'avoir un peu plus l'avantage sur lui. Docteur Whittaker, dans votre tente, le combat est mal engagé, dirons-nous. Effectivement. Donc le mec qui est sur moi, il est en train de m'étrangler, c'est ça? Quelque sorte. Bah, j'essaye de... Vu que maintenant, mon épée est plutôt inutile, il est un peu trop sur moi, j'essaye de... Pareil, de sortir mon outil là, pour mon couteau de saignée et de lui mettre des coups de surin par derrière, comme il est sur moi. Là. Vous tentez la chose. C'est un test d'esprit. Bien! Vous enfoncez donc votre lame dans le côté de l'homme qui hurle, qui vous relâche et en se levant, il tient son côté. Docteur Toc, que faites-vous? Je continue de me battre. J'essaie de... Eh bien, continuez à vous battre. Ça n'a pas eu trop d'effet. Ça dépend. Ça dépendra de votre jet. À l'instant. Eh bien, tu avais espoir quand tu as vu cette femme se saisir, semble-t-il, d'un sac. Tu as cru qu'elle allait le prendre pour frapper ton agresseur. Et à la place, tu l'as vu prendre les jambes à son cou et disparaître dans les ombres. T'abandonnant ton triste sort et tu perds un point de corps alors que l'homme, cette fois, ne semble vraiment pas enclin à se laisser faire. Puisqu'il saisit ton poignet, te fait lâcher ton arme et te frappe violemment. Avec un poing gantelé, semble-t-il. Et tu sens le fer de son poing te frapper au visage. Une douleur vive. Docteur Jagger, vous avez pris le dessus. C'est le moment ou jamais. Bah, je vais profiter de ça, du coup, pour essayer d'en terminer avec cet homme. Ah, mais... Vous pouvez aussi tenter de fuir, hein, comme font... certaines des femmes autour de vous. Je vais en finir avec lui. Vous arrivez à vous relever, comme je disais, et puis cette fois, bah dites-moi comment vous espériez en finir avec lui. Espériez, puisque vous n'allez pas vraiment en finir avec lui, mais disons que vous avez largement le dessus, il manquerait pas grand-chose pour que vous en finissiez. Ben, en me relevant, en fait, je me dirige vers lui. Et je vais pour lui planter directement mon épée au niveau du nombril. J'espérais que cela le mettrait suffisamment à mal pour que celui-ci arrête le combat, mais visiblement j'avais tort. Il a plus de ressources que je ne croyais. Oui, il est gravement blessé, mais il s'accroche à la vie. Cela est tout à fait humain. Docteur... Est-ce que cela va durer longtemps? En tout cas, il saigne abondamment, Dr. Jagger. Dr. Whittaker. Peut-être est-ce vous qui allez sonner le tournant de ce combat. Vous avez réussi à
plantez votre lame dans le côté et l'homme semble presque à votre merci, c'est peut-être l'occasion. Ah oui, bon, à partir du moment où il s'est, du coup, il s'est reculé, je repasse à l'épée et pareil, j'essaye de le finir. Hein. Moi, de toute façon, je suis parti dans l'optique de les buter, hein. Pas de m'enfuir. Allez-y, docteur Whittaker. C'est tout à votre honneur. Oh, très bien. Vous prenez largement le dessus. Il ne s'agit pas que de vous, mais quand vous frappez ce mercenaire, si vous en terminez d'un violent coup de lame, l'homme s'écroule au sol. Ses compagnons, voyant ça, sans doute, ont plus une tentative, on va dire, de fuite, mais celle-ci est désespérée. Vous avez finalement pris le dessus. Docteur Jagger peut finalement assainir le coup qu'il voulait placer et en finir avec son adversaire. Tandis qu'avec étonnement, Docteur Toc, si l'une des femmes que vous aviez vues s'est enfuie avec un sac, une autre, qui est apparemment dans le dos du docteur Whittaker, avait tenté de s'enfuir par l'arrière de la tente, n'avait pas décidé finalement de prendre les jambes à son cou. Et c'est avec la lame que lui avait donné le docteur Whittaker qu'elle pourfend votre adversaire. Ce groupe de mercenaires est massacré. Du moins, ceux qui sont endormis sont vite finis par ces femmes vengeresses. Trois d'entre elles, l'une s'est bien entendue, comme je vous l'ai dit, s'est enfuie dans la nuit avec un sac rempli d'on ne sait quoi. Bon, eh bien, mesdames, vous êtes libres. Vous avez un endroit où partir? On espérait regagner sans doute fuir la province ou peut-être regagner la cité. Ouais. Est-ce qu'on peut vous confier notre amie? Elle marche pas. Non, mais je vous donne mon cheval. Il boite un peu, mais il devrait être capable de la porter. Très bien. Très bien, on prendra des vivres et partirons vers le sud. Vers le sud, si j'étais vous, j'éviterais. Le pont est bloqué. Ah, eh bien, nous partirons vers la ville. Vers la ville, ça signifie qu'elle prend la même direction que vous. Ouais, mais moi je vais dormir. Je vais me reposer un peu. Je suis fatigué. Après, si elle part tout de suite ou plus tard. Elles vont attendre le jour également. L'aube se lève sur une nouvelle journée. Mais c'est le ventre bien rempli. Entouré de plusieurs cadavres vous entourant. Dans cette clairière qui, à votre arrivée, semblait charmante. Que vous pouvez reprendre la route. Mais vers où direz-vous vous diriger? Est-ce que vous continuez à prendre cette route, est-ce que vous préférez peut-être prendre un chemin plus court ou changer de direction pour je ne sais quelle raison? Est-ce que nous pouvons déjà récupérer des vivres ou est-ce que nous avons tout englouti hier? Vous trouverez quelques provisions pour votre chemin. Deux choix s'offrent à nous, chers confrères. Essayons-nous d'aller vers le village au nord ou essayons-nous d'aller directement vers
la ville. Les femmes vont vers où? Les femmes vont suivre la route. Je leur demande, elles vont au village qui est un peu plus au nord, c'est ça? Non, on va vers la ville. D'accord, en suivant la route. Et le village qui est juste au nord d'ici, vous connaissez? C'est la ville indépendante. C'est une cité indépendante. Juste, est-ce qu'ils sont accueillants ou est-ce qu'on doit s'attendre à des trucs... Ça fait bien... Ils étaient accueillants par le passé. Ça fait bien longtemps que je n'y suis pas allé. Depuis... Vous savez, depuis que le mal œuvre dans notre région, vous comprenez que la plupart d'entre elles, en fait, ce sont des sœurs. Et depuis que le mal est dans notre région, jusqu'ici, on s'abritait dans notre demeure. Nous habitions un village plus au sud. On nous disait d'ailleurs que c'était des gens comme vous qui étiez responsables de cette maladie. Et... Je crois qu'on est passé dans votre village. En tout cas, mes collègues. Effectivement, des rumeurs couraient comme quoi vous étiez les porteurs de mort, les responsables de cette épidémie, que c'est vous-même qui ameniez cette maladie au sein de la province. Si nous retournons dans notre village, nous pourrons déclarer ô combien ceci est une erreur et combien vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour vous aider. Ceci dit, si vous nous dites que nous pouvons, hélas, continuer vers le sud, nous prendrons la route en direction du nord et la cité de Saint-Voil. Après, si vous connaissez un autre moyen que le pont pour traverser la rivière, on sait juste que sur le pont, il y a... vous pouvez demander à notre ami, d'ailleurs, hein. Sur le pont, il y a un obstacle de taille. Mais bon, nous, que faisons-nous? On va voir cette ville indépendante, messieurs, chers confrères? Nous pouvons y passer, oui, avant d'aller à Saint-Voix. Oui, de toute façon, sur notre route. Allons-y. Vous continuez donc le long de la route, c'est bien ça? Ouais. Bien connu, sur la route, on est en sécurité, la preuve. Rien ne nous arrive depuis qu'on la suit. C'est vous qui avez déclenché tout ce qui nous est arrivé hier. Ah, excusez-moi, c'est vrai. J'ai de morale, encore, un peu. Il est vrai que la route a l'air relativement sûre, finalement. Est-ce que ce n'est pas vous, les personnes les plus dangereuses de cette région? Ça se discute. J'espère. Parce qu'on vous a dans notre corps, donc. Très bien. Ok. Excusez-moi. Vous reprenez donc votre chemin. Vous regagnez un point de corps. Il vous faut... Vous faites une partie du chemin. Vous le faites en compagnie des femmes, mais elles avancent bien plus lentement que vous. Et finalement, vous les distancez. Et continuez votre chemin, à moins que vous désirez rester en leur compagnie. Cela, à vous, c'est à vous de me le dire. Mais vous sembliez vouloir faire route, pas spécialement les accompagner. Non, on fait surtout que nous allons nous séparer à un moment donné. Nous n'allons pas les suivre. Vous arrivez à un carrefour et cet embranchement est très accueillant. Il y a une potence et un corps décharné s'y balance au vent, les yeux déjà dévorés par les corbeaux.
Et sur la gauche, vous pouvez apercevoir un peu plus loin ce village que vous espériez tant atteindre. Celui-ci est, semble-t-il, protégé d'une certaine manière, puisqu'il semble être entouré par une, non pas un rempart, mais disons une barricade de rondins de bois. Et donc il est entouré par cette muraille faite de bois. Vous y apercevez des signes de vie, puisqu'il y a effectivement des volutes de fumée qui s'échappent des cheminées. Malgré que vous êtes encore à bonne distance. La route, quant à elle, continue son chemin également vers la droite. Et vous apercevez un panneau à côté de l'homme pendu. Et donc, sur votre gauche est indiqué H au vent. Sur votre droite, Saint-Voile. Que faites-vous? Nous continuons notre chemin vers le village, et c'était ce que nous avions décidé. Oui, allons voir ce village. Peut-être qu'ils auront des informations. Très bien. Vous vous dirigez vers le village. À l'entrée du bourg, vous apercevez ce qui devait être la porte de la muraille qui semble avoir été incendiée. Et vous apercevez aussi à l'entrée, juste sur le côté, un bûcher. Vous pouvez apercevoir où apparemment on irait brûler des corps. L'entrée du village est quand même bloquée, même si la porte n'est plus là, par ce qui semble être une charrette sur lesquelles on y a rajouté quelques barils et divers caisses, cela formant une barricade des plus précaires. Quand vous vous approchez, vous entendez une voix. Halte là! Qui va là? Les médecins. Et vous apercevez que l'homme qui s'adresse à vous est un soldat. Mais contrairement aux mercenaires que vous avez massacrés, celui ici porte un uniforme. Ça semble être un mortes pei, c'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier d'une troupe de petite pei, un milicien. Mais il fait partie d'une garnison royale. Ceci est un soldat du roi, même s'il est plutôt, dirons-nous, fait partie des troupes les plus simples que peut aligner votre majesté. Que s'est-il passé ici? Des monstres nous attaquent chaque soir. Des médecins. Ah, vous devriez faire soigner cette toux, monsieur. Oui, on est fiévreux. Ah. Est-ce qu'il tousse bien dans son coude ou pas? Non, l'homme ne semble pas tousser dans son coude. Mais effectivement, il a une toux assez prononcée. Je reste bien loin, je dis, c'est vos symptômes à part la toux, il y a quelque chose d'autre? T'es venu de Loire et des pustules, par exemple? Nous sommes las, pour la plupart d'entre nous. Nous défendons depuis plusieurs jours, plusieurs lunes. Et nous sommes épuisés et fatigués. Pour la plupart d'entre nous, fiévreux. Nous avons pu
plus vraiment grand chose à manger. Avez-vous des vivres? Pouvez-vous nous aider? Mais entrez, entrez. Si vous êtes des médecins, comme vous dites. Si nous invite à rentrer, je vais rentrer. Ouais, pareil. Tu vois qu'ils sont trois à pousser légèrement la charrette et pour faire passer vos deux chevaux. Donc l'un commence à fatiguer. Un peu de repos lui ferait le plus grand bien. Puisque il porte deux charges dernièrement. Vous rentrez dans ce village et, qui semble en grande partie vide, abandonné. Vous tombez nez à nez avec quatre de ces soldats qui ont l'air avoir des tabards sales, même s'ils sont à l'effigie du roi. Ils ont des cernes, ils semblent fatigués, ils ont des teints pâles, plutôt maladifs. Vous diriez facilement fiévreux, vu leur état. Certains s'appuient difficilement sur leur lance ou leur halbarde qu'ils possèdent. Il faudra tous les examiner, essayer de comprendre d'où vient cette fièvre. Ouais. Cela les permettrait de tenir plus longtemps. Mais il est étrange que tous soient touchés. Je me demande comment ils arrivent à se battre tous les soirs. Ils ont l'air d'à peine tenir sur leurs jambes. Ah non. C'est une façon de parler, mais effectivement, nous défendons notre village. Pour l'honneur. Et pour le roi. Ce sont les ordres. C'est... Oh. À chaud vent. Mais avant tout, un poste frontière. Mais fondé du temps où la province de Saint-Voile était indépendante. Et notre détachement le garde, avec zèle. Et nous en sommes fiers. Nous continuerons à la défendre tant que les ordres n'auront pas été différents. Je me tourne vers les autres. C'était pas censé être un village indépendant ici? Ça l'est peut-être plus. Dépendons de sa majesté. Nous suivons les ordres du roi. Non pas de cette comtesse. Ouais, beaucoup de choses à dire sur la comtesse, mais bon. Du coup, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait vous examiner? Nous pouvons pas laisser le lieu sans surveillance. Non mais on vous demande pas de tous venir en même temps, venez un par un. Oui. Voilà, si vous avez tous les mêmes symptômes, on va bien pouvoir en examiner quelques-uns pendant que les autres restent là. Y a-t-il d'autres villageois touchés, mis à part la garnison? Nous ne sommes plus que 9 ici. Ah. Et vous êtes tous atteints? C'est de la fatigue, rien de plus. Ça a commencé récemment? Ah non. Jours. C'est bizarre, je sais pas pour vous, chers collègues, jamais entendu parler de fatigue qui est de la toux pour symptômes. Mais le roi n'envoie personne pour vous remplacer? Il n'y a pas des... Ben... Bon... Quand même, docteur Toc... Pouvez-vous me rappeler votre ordre de mission? Votre collège a été mandaté pour délivrer cette province du mal. De réussir, mourir en essayant. Ok. Les renforts, c'est sans doute vous, ma chère. Oh. Eh bien, ils sont sauvés. Et sinon, vous buvez quoi comme eau? L'eau du puits. Il n'y a pas de mort dedans? Pas de mort dans le puits? Je sais pas, hein, je demande. Des fois, l'eau, c'est...
empoisonnés, et c'est ça qui rend tout le monde malade. Docteur Toc, allez examiner l'eau pendant que l'on regarde ces malades. Vous voulez que je vous descende dans le puits ? Vous pensez qu'il y a un mort dedans ? Je sais pas, je vais aller voir. C'est une bonne idée. C'est une piste à suivre. Il ne faut rien écarter. Vous pouvez prendre ce bâtiment-là et vous montrer une petite demeure. On est neuf. Quatre d'entre nous viendront. Je vais aller les appeler. Dr. Whittaker, vous venez avec moi examiner ces patients, le temps que le docteur Toc examine l'eau. Si vous voulez, docteur, je peux vous amener au puits. Et vous descendre dedans, si vous voulez. Avec plaisir. De rien. Si vous êtes là pour nous aider. Il t'amène en direction du puits, alors que les autres, vous prenez la direction de cette demeure. Comme promis, ils étaient quatre. Il y en a deux d'entre eux qui vous accompagnent. Hein. Et sur le chemin vers le puits, tu croises deux femmes, Dr. Toc, qui ont le même uniforme. Et le soldat leur dit « Allez à la demeure, il y a des médecins qui veulent... » ausculter pour voir s'ils ne souffrent pas d'un mal, peut-être ce mal qui se propage dans la province. Arrivé au puits, est-ce que tu veux descendre dedans ou est-ce que tu veux simplement regarder l'eau? Est-ce que tu peux descendre le seau et remonter l'eau ou descendre dans le puits? Je vais commencer par ça, je verrai ensuite si c'est nécessaire de descendre. On te remonte l'eau, mais à première vue, du moins quand tu la goûtes, elle semble tout à fait potable. Après, il n'y a pas d'autre moyen d'analyse que le goût, l'odeur et la vue. Hein. L'eau semble claire, il n'y a pas, à première vue, pas d'étrangeté. Ni d'odeur particulière. Je m'appelle Joris. Et vous? Toc. Toc. Très bien. Eh bien. C'est Sola. Solaria vous bénit. Qui vous a amené jusqu'ici. Et qui. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu plus de provisions. Ce qu'on mange est un peu pauvre. De votre côté, mes chers médecins, on vous amène deux personnes. Puis vous êtes devant quatre personnes que vous pouvez ausculter. Messieurs, dames, déshabillez-vous s'il vous plaît. Nous allons passer aux examens. Tu vas me faire un test. Lequel d'entre vous les ausculte? Il n'y aura qu'un seul test. Moi j'aide le docteur. Très bien. Docteur Jagger. Docteur Jagger, allez-y. Faites donc votre test d'esprit. Semble-t-il que. Tu dirais que c'est un ensemble de choses. Effectivement, la fatigue a dû les affaiblir. Tu miserais également sur un manque certain de nourriture. Accompagné sans doute. Avec des rondes, des gardes, etc. Dans un climat qui n'est pas des plus agréables, ouais, ferait que ils sont malades, mais rien ne te semble, on va dire, malsain. Ça pourrait s'empirer, effectivement, avec le temps. Ça, s'il n'avait pas de repos. Père Whittaker, avez-vous peut-être un moyen de les revigorer? Voir de la nourriture, bien entendu. Une de vos potions pourrait peut-être leur donner un petit coup de boost. Alors, j'ai pas beaucoup de potions, là, mais
Surtout du repos qu'il en faut. Il faut qu'il dorme. Et de la nourriture. Ah, oui. Les médicaments, tu sais que c'est pas le docteur Whittaker, c'est le docteur Tok. Ah oui. Et puis, c'est tout. Il faut qu'il dorme et qu'il mange. Hein. Donc, enfin, du coup, la vraie solution, c'est qu'il soit ils s'en vont d'ici, soit ils mettent fin une bonne fois pour toutes à leurs problèmes. Comme ça, après, bah, ils pourront dormir. Ou alors ils repensent à leur tour de ronde. Vu que les attaques ont l'air d'avoir lieu que de nuit, peut-être que moins de gardes en journée permettrait à plus de personnes de se reposer. Ils ont l'air déterminés à vouloir défendre ce village. Ouais, après, c'est eux les militaires. Hein. Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Nous avons. C'est par ordre du roi. Nous effectuons notre mission. Devant tant de détermination, Docteur Tok, une fois que vous avez vu l'eau, vous déterminez que l'eau ne semble pas être spécialement être un souci. Le puits a l'air semble tout à fait ne présenter aucun problème. Et est-ce que vous rejoignez vos compagnons? Oui. Cela est une bonne chose. Vous marchez en compagnie du soldat qui vous accompagne. Ce même soldat qui vous avait accompagné. Et en regagnant la maison où cet hôpital de campagne semble s'être installé pour le moment. Et où tes compagnons se trouvent. Tu repasses non loin de cette charrette et cette porte d'entrée par laquelle vous êtes entré il y a peu. Il y a quelque chose d'effroyable à ce moment-là, puisque le garde qui était resté à l'entrée est décapité. L'homme à côté de toi regarde son compagnon mort, écarquille les yeux effrayés et te dit simplement: l'un d'eux est rentré. Nous allons arrêter là pour ce soir. Non ! Tellement de suspense.